Clover, ta mère est bien trop classique pour porter ce genre de choses. Alex, c'est à moi que je pensais les offrir. Oh, alors dans ce cas, vas-y, y a pas hésité. Allô, je vous rappelle qu'on est venu acheter un cadeau pour la fête des mamans. C'est bien ce que j'essaie de faire, mais ma mère a un goût si démodé que trouver un truc qui lui plaise, c'est mission impossible. M'en parle pas, la mienne m'a dit que la seule chose qui lui ferait plaisir, c'est que je me trouve un petit ami. Écoutez les filles, vous vous faites trop de soucis et il y a vraiment pas de quoi. Tu crois? Mais j'en suis sûre. Arrêtez de stresser, essayez de choisir quelque chose de simple. Comme ça. Une tenue élégante pour les visites de chantier. Tu crois pas que ça fait un peu cache-misère pour construction massive? C'est exactement pour ça que ma mère en serait folle. C'est cette affiche. Tiens, regarde. Pour la fête des mères, offrez un cadeau royal. Un week-end de rêve dans notre luxueux centre de remise en forme du Pacifique. Oh, j'adore les îles du Pacifique. Et les complexes de luxe aussi. Quelle fabuleuse idée. C'est vrai, on pourrait toutes y aller ensemble. Même ma mère ne ferait pas la difficile devant ça. Allons-y, c'est décidé. Ah, on voit ce que Jerry a nous dire et on fait le réserver. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je les trouve de plus en plus étranges, les transferts au Whoop. C'est le syndrome de désorientation post-transitionnelle. Ou le tournis, c'est pareil, un cheveu près. Je veux dire, pas la peine de dramatiser. Quelle sera notre mission? Il n'y a pas de mission. Je voulais seulement vous informer que je partais en Angleterre souhaiter bonne fête à ma maman. Sans blague, alors là je suis complètement abasourdie. Ne vous inquiétez pas, Clover, le symptôme disparaîtra rapidement. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est qu'un homme comme vous est une mère. Je trouve ça surréaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon portefeuille. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai un comme poudrier, non? Allô? Jerry? Je peux savoir où tu es? Il me semble que tu devrais déjà être dans l'avion. Je suis encore au bureau. Je vais partir d'ici quelques minutes, maman, c'est juré. Eh bien, dépêche-toi, mon poussin. Et surtout, n'oublie pas de me rapporter une jolie sortie de bain de ton hôtel. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, une sortie de bain. Vous avez un hôtel? Non, c'est une couverture pour garder secrète mon identité d'agent secret. J'ai dit à maman que j'étais directeur d'un hôtel à Beverly Hills. Allô, vous êtes bien à l'auberge de jeunesse de Jerry? Je suis heureux que vous me trouviez drôle. Vous ne m'aviez pas habitué à cela. Nous nous reverrons dans quelques jours. Au revoir, les filles. D'accord, cette journée est partie pour battre le record de bizarrerie. Ouais, bon, la sortie est de ce côté. Quoi, tu veux t'en aller? Pour une fois qu'on est seul dans le bureau de Jerry, profitons-en. La caverne d'Ali Baba est à nous. Je prends la bombe barrette papillon. Le pendentif microprocesseur 5 carats est pour moi. Je prends le chewing-gum. C'est pas un gadget, mais j'adore ça. Ta-da! Merci, c'est grandiose. Oh, merci, Clover. Quel endroit splendide. C'est merveilleux. Bon, allons-y, profitons-en tout de suite. Tout le monde en maillot. Maman, tu le traînes depuis quand, ce maillot? L'âge des cavernes? Oh, tu exagères, trésor. Je l'ai acheté pendant ma lune de miel. Ça ne remonte qu'aux années 80. Autant dire à la préhistoire, c'est décidé. Après le bain de boue, on cherchera un deux pièces bien flashy. Oh, Red, ce n'est plus de mon âge. Je voudrais me laver les mains. Où sont les lavabos? C'est tellement grand ici. Tu veux te laver les mains avant un bain de boue? À quoi ça sert? Oh, Red. Ils sont de ce côté. Massage et le coup de cœur. On devrait s'offrir ça plus souvent, tu crois pas? En parlant de coup de cœur, tu n'aurais pas envie de me faire des confidences sur tes petits amis, Alex? Oh, maman, arrête. Les histoires de garçons, c'est personnel.
Pourquoi rougis-tu? Tu sais, il n'y a pas de honte à être célibataire à ton âge, ça va s'arranger. Laisse faire ta mère, je vais te trouver un gentil compagnon pendant ce séjour. J'ai vu un tas d'hommes séduisants, à commencer par celui-ci. Comment le trouves-tu? Il a une belle carrure, non? Écoute, maman, je suis encore au lycée, c'est les garçons de mon âge que je préfère. Je vais prendre une douche, à tout à l'heure, mon chou, je vous laisse discuter. On ne plaisante pas avec la sécurité. Il te faut un casque avec protège-menton, des protège-coudes, des protège-genoux et des protège-chevilles. Ah! Maman, je t'en prie! Je vais avoir l'air ridicule! Tu ne penses pas que ça fait trop pour une petite balade en vélo? Une mère fait le nécessaire pour protéger sa fille, Sam. Bon, donne-moi ta bouteille, je vais la remplir. Oh. Je ne voudrais pas que tu te déshydrates! Oh! Voyons, bien sûr que non, mon trésor. C'était un accident, ça arrive. Merveilleux, la vue magnifique d'ici. C'est vrai que c'est paradisiaque. Bon, je crois que j'ai assez pédalé pour aujourd'hui. J'ai fait un faux mouvement. La police? Qu'est-ce que tu racontes, Sam? Ici, c'est Alex. Tout s'est bien passé? Mais comme sur des roulettes, jusqu'au moment où ma mère m'a poussée accidentellement dans le vide. Ta mère aussi est devenue folle. Je croyais que j'étais la seule à y avoir eu droit. Tout à l'heure, elle a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue. La tienne n'a pas eu un comportement bizarre aujourd'hui, Alex? Non, ça allait. Si ce n'est que tout à coup, elle a accidentellement poussé ma table de massage au milieu de la circulation. Bon, on fait une réunion dans le hall d'entrée. Je descends. Hein? Tu comptes aller quelque part? Ne gigote pas, tiens-toi droit. Oui, maman. J'ai essayé de te donner une excellente éducation et pourtant tu te tiens toujours aussi mal. D'où cela vient-il? Oh, sauvé par le gang. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je reviens dans une seconde. Dépêche-toi, ça va refroidir. Allô? Chef, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tim Scam s'est évadé de prison hier soir. Oh, bon, j'alerte les filles immédiatement. Je ne savais pas qu'il y avait une fonction double appel.
Oui, allô? C'est nous, Jerry. Il nous arrive un truc hyper bizarre. Oh! Oh, Jerry! Jerry, viens finir ton assiette. Tu n'as rien à faire là. Une petite seconde, je discute avec le personnel de l'hôtel. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter? Un seul chocolat par client. Et ne me dérangez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à ton portefeuille maintenant? Et c'est bien sûr que non, voyons, ne sois pas ridicule, maman. Jetez un œil, jeune homme, tiens-le-toi pour dit. On dirait que Jerry a des ennuis avec sa mère, lui aussi, c'est la loi des séries. Bon, apparemment, il est coincé, on va devoir se passer de son aide. Mais le système de surveillance du spa peut nous être utile. Voyons si je peux me connecter au réseau vidéo. Ouais, j'ai quelque chose. Ça alors, c'est étrange. J'ai l'impression que ça ne va faire qu'empirer. Maman! Y'a quoi dans ce placard? On dirait qu'on les aspire. Une seconde, regardez. Nos mères ne portaient pas de fleurs au poignet avant d'y entrer. Et alors? Quel rapport entre ces bracelets fleurs et le fait qu'elles aient perdu la tête? Oh, peut-être aucun, mais je préfère aller vérifier ça pour en être sûre. Comme si rien ne s'était passé, c'est étonnant. Non, Alex, Jerry adore les sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Surtout quand j'enlève la croûte du pain. Gabi, voulez-vous me passer le beurre de cacahuète au TNT? Un bon explosif, ça donne la pêche. Vous avez raison, Carmen. Cette attention les fera sauter de joie. Ce ne sera utile qu'au cas où elle nous résisterait, bien entendu. Eh ben, moi qui l'ai trouvé un peu trop mère poule, je suis servie. C'est le moment ou jamais de tester le pendentif microprocesseur 5 carats. Alors, t'as une information? On dirait que les bracelets reçoivent une espèce de signal. Et je parie que ça a un rapport avec leur comportement étrange. Alors il faut leur enlever ces fleurs du poignet? Et remonter jusqu'à la source d'émission du signal pour l'arrêter. Pour un complexe de luxe, le choix des voitures à louer était vraiment très restreint. Heureusement que le yoga m'a rendu souple. Le signal est de plus en plus fort. On doit s'approcher. Alex, tourne à droite. Il n'y a qu'une seule personne qui soit plus dangereuse au volant qu'Alex, c'est sa mère. Vite, il faut qu'on arrive à l'ESME. Accélère, Alex. Si vous avez des casques, mettez-les. Enfin, si je peux me permettre un petit conseil. Maman. Mais oui, chérie. Oh, je suis contente d'être réveillée. Si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Je viens de rêver que Stella, Gabi et toi, vous faisiez tout pour nous éliminer, nous, vos filles. Rassure-toi, bientôt tu n'en feras plus des cauchemars. Tu dormiras en paix, mon ange. Dès qu'on aura réussi à se débarrasser de vous. Avant de mettre votre plan à exécution, dites-nous au moins qui est derrière tout ça. C'est moi. Team Scam? On ne vous avait pas jeté en prison après que vous ayez enlevé Jerry pour prendre le contrôle du Whoop? Non, vous savez, être en prison présente au moins un avantage. C'est qu'on a largement le temps de préparer son évasion. Et on en a aussi suffisamment pour mijoter sa vengeance. Ouh, elle est terrible, oui. Votre haleine. Vous voulez pas un petit bonbon à la menthe? Votre plan, c'était, si j'ai bien compris, de vous arranger pour que nos mères respectives fassent le sale boulot pour vous. C'est d'une lâcheté. J'ai inventé ces fleurs de contrôle mental à l'époque où j'étais encore agent du Whoop. J'étais sûr que de gentilles fifilles comme vous se jetteraient sur l'offre de mon affiche. Bien vu. Votre affiche? Quand je pense qu'on laisse des minables comme vous entrer dans notre centre commercial. Vos mères ont fait un formidable travail pour moi. En fait, je vais peut-être les embaucher à plein temps. La psy de la prison m'a dit que j'avais mal tourné à cause d'un manque d'amour maternel. C'est la meilleure. Vous pensez que ma mère vous donnerait son amour maternel? Mais elle vous ferait même pas cadeau de l'heure. Ah non? Voyons, ma chère Stella, bouclez votre fille dans le sauna. Puis venez chez moi vous occuper de ma petite lessive. Oh, je ne sais rien vous refuser, mon petit chou. Non! Mais maman! Arrête! Maman! Profitez du sauna, c'est pour votre bien, mes petites chéries. Mais on est trop jeunes pour partir en fumée! Attends!
Il faut que nos mères redeviennent elles-mêmes et qu'on sorte de ce cauchemar. Qui peut appeler à un moment pareil? Oh, j'espère que c'est le serrurier. Allô? Bonjour, les filles. Jerry! Désolé de vous avoir raccroché au nez. Je n'ai pas eu le temps de dire que notre vieil ennemi, Tim Scam, s'était évadé de prison. Restez sur vos gardes au cas où il vous rendrait visite. Merci, mais c'est une info qui arrive avec 3 heures de retard. Jerry, qu'est-ce que tu fabriques sur le toit? On fait la forte tête? Je commence à en avoir plus qu'assez de ces enfantillages. Tu as besoin que quelqu'un mette un peu d'ordre dans ta vie. Tu ne me laisses pas le choix, mon petit. Je vais prendre une chambre dans ton hôtel pour te surveiller. Il faut que je vous laisse. J'ai une urgence, les filles. Jerry, attendez, venez nous aider. Ben, c'est agréable, merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Seulement, on avait le bon gadget, hein. Alex, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves pas qu'on manque déjà suffisamment d'air? C'est pas moi, mon chewing-gum fait une bulle. Tout compte fait, je préfère quand Jerry nous explique le fonctionnement des gadgets. Venez, les filles, ça va chauffer pour Team Scam maintenant. Avec toi. Toutes mes valises étaient trop grandes et je voulais pas m'encombrer. C'est à peu près ici qu'on a perdu le signal la dernière fois. Le repère de Scam ne doit pas être loin. C'est quoi ce truc là-bas? Allons voir. Si j'avais su qu'avoir une mère présentait tant d'avantages, j'en aurais volé une bien avant. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. Que faites-vous là? Vous êtes encore en vie? Oui, et on est venu vous chercher pour vous raccompagner dans votre cellule. Débarrassez-vous d'elle une fois pour toutes et tout de suite. Que ça va être touchant, ces retrouvailles. Bon, allez, je vous laisse en famille. Au revoir. Arrête, maman, j'ai pas envie d'être brutale avec toi. Tu veux dire que tu aurais le toupet de contrarier ta propre mère? Pas la mienne, non. Celle qui est en toi, oui. Alors dans ce cas, à l'attaque. T'as pas entendu? Ta maman t'appelle, alors vas-y, cours! Je vais vous aider! Essayons un autre canal de fréquence! Non! Non, ne faites pas ça! Oh non! Timmy mérite une grosse punition. Oh non, 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 pitié! Non, laissez-moi me... Tu t'adresser sur ce ton aux grandes personnes? Attends, on va te savonner la langue pour t'apprendre la politesse. Qu'est-ce qu'on fait? On a pitié de lui? Il a eu sa correction et ce sont nos mères qui comptent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait ici? Oh, qui est-ce celui-là? Lui, c'est un guide. On est en excursion et il nous fait visiter les grottes de l'île. Oh, c'est gentil. On rentre au centre de remise en forme? Bonne idée. Le sol est glissant et je ne me sens pas très à mon aise dans cet endroit. Moi non plus. Mais comment se fait-il que j'ai quitté l'hôtel dans ce maillot indécent? J'ai trouvé que ce guide était très séduisant, bel homme, beaucoup de charme. Vous feriez un beau couple. Maman, laisse tomber, il n'est vraiment pas mon type. Félicitations, mademoiselle. Encore un succès. Merci, Jerry. Et vous, la visite chez votre mère, ça s'est bien passé? J'ai dû mettre les choses au point. Je lui ai demandé de me laisser diriger ma vie comme je l'entendais. À mon âge, on ne se laisse pas dicter sa conduite par sa maman. Oh.
Vous avez dû la quitter avec regret? Elle est dans un hôtel de Beverly Hills. Ça va m'obliger à demander une augmentation. Allô? Jerry, mais enfin où es-tu? Tu sais que je t'attends pour dîner! Ne t'énerve pas, maman, j'arrive tout de suite. La mise au point a été utile à ce que je vois. Oh, mais moi, j'ai pas